Yo, les zoologistes, ici des toi, j'espère en tout cas que tu vas bien. Moi, je pète la forme aujourd'hui. Et là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas astronomie, mais animal. Voilà. Donc, au début, je parlais d'astronomie. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur l'éclipse du 27 juillet, l'éclipse lunaire. Donc, je vous ai en parlé. Et aujourd'hui, c'est animal. Et j'annonce officiellement que là, il y aura une série sur les animaux. Cette série se nomme Le règne animal, bien entendu. Et il y aura 5 épisodes en tout. Voilà. Et ça portera justement sur le règne animal. Voilà. Donc, bien entendu, ça ne veut pas dire que je vais faire 5 vidéos d'un coup. Non. Il y aura bien sûr des vidéos qui viendront peut-être avant le deuxième épisode. Comme exemple, c'est pour être astronomie ou atome avant le deuxième épisode ou le troisième. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que je vais faire tout d'un coup. Voilà. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien de montrer les 5 épisodes en fait, les 5 thèmes des 5 épisodes en fait. Donc c'est parti. Alors le premier épisode, donc c'est aujourd'hui, donc je l'ai mis en rouge, c'est qu'est-ce qu'un animal. Le deuxième épisode sera sur le comportement animal. Le troisième, le cycle de vie de l'animal. Le quatrième épisode, les habitats. Et le cinquième et dernier épisode, les animaux en danger. Voilà, donc déjà, c'était le sommaire, donc déjà la question qui règne, c'est qu'est-ce que le règne animal? Voilà. Le règne animal est l'ensemble des espèces animales qui existent sur la planète, tout simplement, et regroupe comportement, habitat, etc. On dit que c'est le règne animal, tout simplement. Mais aujourd'hui, la question qui nous parle là, c'est qu'est-ce qu'un animal? Donc, on sait tout ce que c'est qu'un animal. Ça peut être bipède, quadrupède, donc s'il a deux pattes ou quatre pattes, en fait, c'est ce qu'elle mange. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons pas par les descriptions, mais vraiment en général, c'est-à-dire ordre, famille, etc. Donc, on commence. Déjà, il y a deux types d'animaux. Il y a les animaux marins et les animaux terrestres. Les animaux marins, ce sont ceux qui vivent justement dans les océans, en fait, qui vivent dans l'eau, en fait. Ils respirent grâce à des branchies. Simplement, ils prennent l'oxygène de l'eau grâce à des branchies. Et il y en a certains qui ont des poumons. Donc, ils n'ont pas de branchies, ils ont des poumons directement et ils doivent remonter souvent à la surface de l'eau pour respirer, pour prendre leur souffle, quoi. Mais ils peuvent rester quand même longtemps sous l'eau. Par exemple, la baleine, c'est une grande mammifère en fait. Mais elle peut rester 2 heures sous l'eau sans respirer. Voilà, donc elle peut être tranquille pendant 2 heures et ensuite remonter à la surface pour respirer. Mais il y a aussi les animaux terrestres. Les animaux terrestres, c'est tout simplement qu'ils ont des poumons, ils ne respirent pas des narines et ils vivent sur Terre, voilà, pas dans l'eau, dans les océans, voilà, terrestres et marins. Mais il y a aussi deux catégories d'animaux. Il y a les animaux à sang chaud et les animaux à sang froid. Donc nous allons rentrer dans les détails. Les animaux à sang chaud, ils puisent tout simplement leur énergie dans la nourriture qu'ils consomment. Comme nous, par exemple, nous avons une chaleur corporelle naturelle due à ce que nous mangeons. Voilà, sinon nous n'aurons pas cette chaleur-ci, nous n'avons pas besoin de quelque chose pour nous réchauffer, pour réchauffer notre corps de l'intérieur en fait. En fait, nous avons juste besoin de puiser de l'énergie tout simplement dans la nourriture qu'il consomme. Voilà, et notre corps le fait automatiquement. Voilà, il y a des animaux qui sont pareils. Mais les animaux à sang froid, c'est totalement le contraire. Ils ne produisent pas leur propre chaleur, mais la tire du milieu extérieur, s'en remettant au soleil pour élever la température de leur corps et prolonger leur existence. Voilà, par exemple, si tu vois un caméléon dans ton jardin, sur une branche, en plein soleil en été pendant une saison caniculaire, ne t'en fais pas pour lui, au contraire, c'est bénéfique. Il a besoin du soleil pour réchauffer son corps car c'est un reptile. Et les reptiles, justement, ils ont besoin de soleil pour se réchauffer car c'est des animaux à sang froid. Voilà, dans le monde, il y a des animaux comme ça. Mais bien sûr, il y a aussi des groupes d'animaux, donc mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons. Donc les mammifères et les oiseaux, ce sont des animaux à sang chaud. Bien entendu, et les autres sont des animaux à sang froid. Donc les mammifères regroupent qui se peut être panda, kangourou, cochon, bœuf, voilà. Ensuite, il y a aussi les oiseaux. Les oiseaux, ce sont des animaux qui ont des plumes et ils volent, ils peuvent voler. Il y en a certains qui volent pas et ils pondent des œufs tout simplement. Les mammifères, contrairement, ils pondent pas des œufs, ils mettent bas en fait. Les reptiles, c'est pareil, sauf qu'ils ont des écailles. Ils ne volent pas, bien sûr. Il peut y avoir des amphibiens, serpents, etc. Et ils pondent des œufs aussi. Les amphibiens,
Moi, c'est autre chose, j'avais dit amphibien, non reptile, mais il n'y a pas d'amphibien, non reptile, bien entendu, je me suis trompée. Amphibien, c'est autre chose, c'est des animaux qui vivent dans l'eau à leur naissance, mais ensuite ils peuvent venir sur Terre quand les poumons se sont formés, mais ils se nourrissent aussi dans l'eau. Voilà, puis on regroupe par exemple grenouilles, etc. On a aussi poisson, donc ce poisson, ben, vous voyez à peu près quoi. Donc on dit que ces groupes-ci sont des vertébrés, en fait, ce sont des animaux qui ont une colonne vertébrale. Mais il y a aussi d'autres groupes d'animaux, vers, arachnides, crustacés, mollusques, éponges, cnidaires, limules, insectes et échinodermes. Donc les vers, ce sont des animaux qui n'ont pas de lien de parenté. Les arachnides, c'est ceux qui regroupent araignées, scorpions, etc. Crustacés, bon, on voit à peu près. Peut être les crabes, etc. Des mollusques. Alors, des mollusques, ça peut être des pieuvres, des escargots, des limaces, voilà. Ensuite, ensuite les éponges, pardon, c'est des espèces de plantes sous-marines, en fait. Les cnidaires, ça peut être des méduses, par exemple. Les limules, c'est une espèce d'animal qui est à peu près sur Terre et aussi dans l'eau, je crois. Les insectes, ben, on voit à peu près, ça peut être des mouches, des moustiques, voilà. Et les échinodermes, ça peut être des étoiles de mer, des oursins et bien d'autres. Par contre, ces groupes-ci, on dit que c'est des invertébrés, donc c'est le contraire de vertébrés. Ce sont des animaux qui n'ont pas de squelette osseux, donc qui constituent aussi 95% du règne animal. Donc, ils sont majoritaires niveau répartition, voilà. Et bien sûr, ils n'ont pas de squelette osseux, ça veut dire qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale ni joint de squelette, voilà, tout simplement. Voilà, donc c'était des animaux vertébrés et invertébrés. Mais il y a aussi des ordres d'animaux, c'est-à-dire ce sont une classification que l'on donne à selon ce qu'ils mangent. Bon, là, je n'ai pas tout mis parce qu'il y en a beaucoup quand même. J'en ai mis 4, donc on connaît le plus. Donc on a carnivore, c'est ceux qui mangent de la viande. Par exemple, le tigre à côté, bah, il te salue d'ailleurs, et il dit qu'il mange bien sûr de la viande. Donc il est carnivore. Il y a aussi les herbivores, ceux qui mangent des végétaux, donc ça peut être des herbes, des feuilles, etc. Par exemple, des girafes sont des herbivores parce qu'ils mangent des feuilles, par exemple. Ensuite, les insectivores, bon, ceux qui mangent des insectes, par exemple le tamanoir qui est en bas, donc lui c'est un insectivore parce qu'il mange des fourmis, des termites, des choses comme ça. Et il y a aussi les omnivores. Les omnivores, oui, ils mangent absolument tout. Voilà. Un peu comme des rats, on va dire des rats d'égout, par exemple, ils sont omnivores. Mais bien sûr, il y a aussi un processus niveau à ce qu'ils mangent. En fait, il y a un processus qu'on appelle la chaîne alimentaire. Donc, c'est un processus assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. Pourquoi chaîne alimentaire? En fait, c'est quand des animaux mangent d'autres animaux. En fait, l'énergie de la chair consommée passe par une chaîne dont le premier maillon est une plante. En fait, il y a un animal, par exemple, qui va manger une plante. Cet animal-ci va se faire manger par un autre. L'autre va se faire manger par un autre encore. Cet autre va se faire manger jusqu'à ce que le dernier n'ait plus de prédateurs. Tout simplement. Voilà. Donc les plantes sont de la nourriture créée par l'énergie du soleil. Quand un animal mange une plante, l'énergie passe dans la chaîne. Et la chaîne alimentaire se continue à mesure que les animaux en mangent d'autres, voilà, jusqu'à ce que le dernier n'ait plus de prédateurs. Donc je suis désolé, j'ai mis une apostrophe, c'est une faute de frappe dans mon texte. Je suis désolé. Par exemple, en bas, j'ai mis un schéma. Donc de 1 à 3, par exemple, cet animal, le 1, c'est un hareng, donc c'est un poisson. Ce poisson-ci, ben, il va manger des petites algues, etc., sur les roches. Ensuite, le hareng va se faire manger par un otari, et l'otari va se faire manger par un épaulard, qu'on appelle aussi orque. Et l'orque, il n'a pas de prédateur, donc ça se termine là. Voilà, c'était un petit exemple, mais bien sûr, il peut y avoir d'autres chaînes alimentaires plus longues, par exemple, il y a des serpents. Donc, par exemple, il y a des souris, la souris va se faire manger par le serpent va se faire manger par le raton laveur va se faire manger par un autre animal jusqu'à ce que l'autre animal n'ait plus de prédateur. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la chaîne alimentaire. Donc, on a aussi l'enveloppe sur les animaux comme une peau, en fait, qui les protège et ils gardent de la chaleur comme ça. Donc, les oiseaux, eux, ce sont des plumes. Ensuite, des mammifères, ce sont bah, des poils. Et les poissons sont des écailles ou il y a même des reptiles et des poissons, il y a même des reptiles aussi, c'est des écailles ou des plaques, tout simplement. Voilà. Donc, on a aussi la classification. Donc,
Comme le lion te l'explique, les scientifiques ont organisé le monde vivant en groupe. Donc, on va aller plus dans les détails. Donc, il y a l'ordre, la famille, le genre et l'espèce. Donc, l'ordre carnivore, tout simplement, puisqu'il mange de la viande. Famille Felidae. Donc, en fait, c'est tous les grands chats, en fait, on va dire. Et en fait, c'est en latin. Et en fait, ça signifie félin, tout simplement. Genre Panthera. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le genre, il y a toujours la première lettre en majuscule et c'est toujours écrit en italique. Voilà. Et Panthera, c'est toujours les grands chats qui arrivent à rugir ou ronronner. Voilà. Ce sont les grands chats qui arrivent à faire ça. Donc, on est que ce sont des Panthera. Et l'espèce Léo, toujours en latin. Léo signifie justement lion en français. Voilà. Donc, comme te dit le lion, je suis comme Bernard, je bouffe de la viande. Et oui, parce que le tigre s'appelait Bernard. Voilà. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Alors, moi personnellement, je trouve que cette vidéo, elle n'est pas très ça. Je suis désolé si mon texte est un petit peu. Parce que là, je suis perdu un peu. Donc, j'essaierai de m'améliorer la prochaine fois. Donc, comme te l'explique le lion, like cette vidéo, partage-la et surtout abonne-toi, ça fait extrêmement plaisir. Et je te dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!